Hello. Alors, il parle un petit peu, français. Donc ça, c'est cool. Un petit peu. This is the mic. Bonjour, salut. Vous l'entendez? Voilà, bon, on n'est pas nombreux pour l'instant. Il y aura la rediffusion. Salut, Mackenzo. Marvin, you're a musician, yes, you're a singer. What chanteur, sort of... compositeur, arrangeur, producteur, j'ai un secrétaire. Secrétaire. chef d'orchestre. Yeah, you cook. Wait. Jazz cooking. Si vous voulez faire du jazz tout en faisant de la cuisine, c'est avec Marvin. Marvin, we had an interview last time. Yes. But maybe. On YouTube. Yes. And this is on Periscope. So my English. Hello to the music man. Hi. Morning. Where are you from? Baltimore, la ville de Baltimore. Baltimore, it's for my geography. C'est une heure par train de Washington D.C. Okay, so on the east side, east côte de l'est, sur la côte est. Yes. Côte okay, est, des États-Unis. Yes. And the east coast. Yes. Depuis combien de temps tu fais de la musique? It's called the Great American Songbook. Okay. Depuis combien de temps? And tu... these are songs from Broadway musicals, ouais. From vaudeville, from big bands and swing bands, and American TV and film that have become the standards. So when you hear Frank Sinatra's music, yeah. When you hear Nat King Cole or Ella Fitzgerald or Tony Bennett will be in Paris in June. He's my man. So when you hear those singers, then those are the songs that you're hearing from the traditional Broadway musicals. And that have become jazz standards. So that's what I do. And I write my own songs too. So you have to find me on SoundCloud. So let's have an exhibition. Yes. Let's have a song. Well, you always want me to sing, would you like to swing on the stars? Carry movies home in a jar, or be better off than you are. Or would you like to? I don't know. Would you like to be a fish? Yeah. So something like that. I don't know. I wrote a song. Can I sing a song that I wrote? Yeah. Can I sing my Alors own attention, composition? C'est une exclusivité pour Periscope et pour One Chronic Show. Je vous rappelle qu'il s'appelle Marvin Park. Et c'est un musicien de Baltimore, des États-Unis. And also, et also, I have the card. I'm with the RATP. Do you see this? Ah, the on le voit à l'envers pour l'instant. Attends, yeah. c'est. Yeah, this is. Yeah, this is. Tu besoin en autorisation. This yeah. is the Graal. Yes. Tu besoin en autorisation pour chanter dans le métro. Does you know Chuck Berry's song? No, I don't sing Chuck Berry. I sing Frank Sinatra and Nat King Cole. You have to learn. Oh, you sorry. Have to learn. You tu dois apprendre Nat King Cole. Why? Because he is a pioneer, not just in jazz piano. Ah. He is a pioneer in vocal singing, like Frank Sinatra. And he is a pioneer in television. He was the first black American to have his own television show and his own radio show. So he's very, very, very important to Americans and to black Americans. So before there was a Chuck Berry, there was Nat King Cole. And Billy Eckstine and Sammy Davis Jr. They're very, very important. So please. You have your yeah. identity. Yes. So, il va vous interpréter une de ses chansons qu'il a composée lui-même. Yeah, I wrote it. Is it the first time you sing this song? Oh, no. It's on my album. Un album. Yes, album. On SoundCloud and on SoundCloud Spotify. / Marvin Park. Marv Tracks. Marv but Tracks. But just Google me. Cherche-moi sur Google. Sur Google. This is my song. It's called Never Been in Love Like This Before.
Alors, I've been in love before, but I've never been in love like this before. Alors, c'est vrai que moi, j'apprends l'anglais avec lui à mesure que je suis en train de l'écouter. Mais lui aussi, il apprend le français. Yeah. Et comment tu apprends le français? Le monde est sur le train. excusez-moi, monsieur, dame, pour vous déranger, j'ai besoin d'une pièce de monnaie, s'il vous plaît, au Tiki Restaurant, ou quelque bien, chose comme ça, pour manger, aidez-moi pour manger, s'il vous plaît. I practice that. That's my French. So, you sing this, your song, what is the title? Never Been in Love Like This Before. Ne jamais être amoureux. Yeah, that. Why ne jamais être... Because, you know, I'm a romantic. Ah. I'm a romantic. And so I fall in love. You know, I fall in love too easily. So it's sort of like that. Okay. So it's, I got a feeling that I can't explain. Makes me want to dance in the pouring rain. And I've never been in love like this before. I never traveled on a rocket ship. Partagé. Never even been on an acid trip. And I've never been in love like this before. I've never been invited by a head of state to a barbecue. Climbing up Mount Everest isn't in my fate, but I'm enjoying an incredible view. Friends tease me and they always say that I often give my heart away. I've done it many times and I've been keeping score, but I never been in love like this before. Voilà, une exclue pour One Chronic Show et pour Periscope. Franchement, quand on vous dit que Periscope, il n'y a pas que des clashs, il y a aussi des choses importantes. Voilà. Yeah, vas-y, this fais ta pub. Yeah. You have to find this. It's on iTunes. You sur iTunes. iTunes and cdbaby.com. Okay. It's 5 euros to download it. So c'est pas cher. 5 euros. See that? Boom. Ok, je le montre bien. Attends, je le montre bien. Je le montre bien. Voilà. Vous pouvez screener. Hein. It's called The Very Thought of You. Vous pouvez screener. Voilà, vous pouvez screener, vous pouvez partager ce périscope, hein, parce que c'est important de le faire connaître. Ça fait quelques mois, ça fait four months. The first meet with me. I think so. Yeah, four months, 4 mois, je crois. Je pense. Yeah, je pense. Il parle français, les gars. Alors, il chante bien. Il parle français. Il fait du jazz. Il fait de la cuisine en faisant du jazz. Je comprends. Mieux français que tu penses. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous ne devez pas dire d'insultes, parce qu'à mon avis, il les connaît par cœur. Il connaît par cœur. And sur Instagram. Ah, sur Instagram. Yeah. Attendez, il va nous faire tout le répertoire, là, de toute façon. Il va vous sortir tout. Du jazz. Salut Christelle. Salut Eric. Oui, il va nous sortir tout le répertoire. Vous allez tout savoir sur lui. Un homme parfait. Yeah. A perfect man. Oh, they all. No, not at all. I'm terrible. You see, Il est comme ça, mais il dit qu'il est romantique quand même. Il dit qu'il est romantique. Find Jazz Metro on Instagram. On Instagram and on Facebook. Jazz de Metro. That's my nouvelle association pour HIV and AIDS awareness. Yeah. I'm doing comedy and raconteur and humoriste avec le jazz. Et j'ai créé un concert spectacle qui s'appelle Marvin Parks American Jazz Singer. So that is, says mon travail. It's a sort of jam session? No, it's a show. A show? It's a show. A show with... I'm turning the jazz concert, but I'm making it like a variety show. So I have guests, and I have humor, and I have a comedian on the piano. Yeah, yeah. And so we tell lots of jokes about mon niveau de français, est très, très malheureux, et mauvais. So we make a lot of funny stuff about my being an American in Paris. Et le prochain show, c'est quand? Le mois de mai. En mois de mai, c'est quand? Yeah. Le 10, le 12, le... Suivez-moi sur Instagram ou Facebook pour l'information. Eh,
prenez-en de la graine, hein. Il fait bien sa com. Hein. Il fait bien sa com. Il dit, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi, sur Facebook, sur YouTube. Marvin Park, c'était la découverte que je voulais. C'est bon pour Facebook, merci. Cool. Aussi, il y a un clip de moi sur YouTube. J'ai joué sur Canal Plus, la mission de Antoine. Il y a un article de moi sur Le Monde. Which song? Which show? Émission d'Antoine. Yes. C'est l'émission d'Antoine sur Canal Plus. Il est passé sur Canal Plus, les gars. Mm-hmm. Je savais même pas. Yeah, il y a un article de moi publié par Le Monde. Dans Le Monde, un article publié dans Le Monde. Yeah, and Antoine Decon a vu l'article. Et m'envoyer une invitation pour chanter sur son émission. Et je chante Smile Though Your Heart Is Aching sur son émission avec ma pianiste et bassiste et batteur. Et Canal Plus, t'as découvert comment? Je cherche YouTube pour Canal Plus, Marvin Parks. Mais comment ils t'ont découvert? Comment toi tu es allé à Canal Plus chanter? Le février dernier. But one people of the show. Yeah. See you on you on YouTube or Well, here's the thing. A journalist passed me here in the Mac PK. Yeah. And demanded and demanded an interview for And so he published the interview in Le Monde. Okay. Antoine Decon and his equip saw the article and went to YouTube to see other performances. And so he asked me to sing on his show as the musical guest for the week. Okay. And so there's a clip of the performance on YouTube. So you can watch me on the Canal Plus performance on YouTube. Vous pouvez le voir sur YouTube, sur sa performance dans l'émission d'Antoine. En fait, c'est un journaliste. J'essaie de traduire parce que là, je me retrouve dans la même position qu'un animateur radio à qui on dit finalement, il n'y a pas de traducteur. Hein, donc, tu te démerdes. Hein, il n'y a pas de traducteur, tu te démerdes. et en gros, il y a un journaliste du Monde qui est passé à La Motte Piquet. Donc, ici, on est à La Motte Piquet Grenelle ici. Et il est passé, il a discuté avec toi et il a fait une sorte d'interview. Yeah. Il a publié cette interview et quelqu'un de l'émission d'Antoine Decon de Canal Plus a vu l'article. Absolument. Et ils t'ont sur SoundCloud, sur YouTube, ou alors sur Facebook. Ils t'ont contacté où? Sur contact moi. Oui, directement. Mais sur quelle plateforme? Facebook. Sur Facebook. Yeah. Alors vous imaginez, quand on vous dit que les pages Facebook c'est important, c'est vrai parce que c'est l'émission d'Antoine Decon de Canal Plus qui l'a contacté, Marvin Park, qui l'a contacté directement depuis Facebook. Donc, ayez des pages Facebook si vous voulez vous faire connaître parce que ça marche comme ça. C'était une grande surprise pour moi. Ouais. Because j'étais très très triste et frustré et irrité parce que ma carrière est très très longue. Et j'ai un argument avec ma colocataire. Oh, you know, pourquoi pas? Et blablabla. Donc je vais un tasse de café une main et ma potable l'autre main. Et oh, Canal Plus, hein? Yeah. What? Canal Plus, sans déconner. Je suis appelé le producteur de Canal Plus. Il me dit, Is it a joke? Excuse me, but is it a joke, Canal Plus, for me? I meet a lot of people in this hallway. I got my audition for The Voice in this hallway. So that they called me was the surprise. I just didn't know what they were calling me for. I said, pourquoi tu contactes moi pourquoi? Je suis sur YouTube et je regarde la vidéo sur Canal Plus. C'est cool. Yeah. Et en fait, tu croyais que c'était une blague, un joke, et c'était vraiment sérieux. Et so, never give up. Yeah, well, here's the thing. The message you want to... Yeah. Nikita, ton rêve. I'm sending good vibes for him and wish him success. Oh, merci beaucoup. Si vous avez un grand rêve, ne quittez pas le rêve.
Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que moi, ça rejoint un petit peu ce que moi, je suis tout le temps en train de me dire à moi-même et d'essayer de dire aux autres. Never give up, n'abandonnez jamais. Yeah. La raison que je chante dans le métro est ça. Quand j'arrive à Paris, plus de 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. En plus, j'ai perdu ma carte bancaire. Mon seule solution était chanter dans le métro avec un bout. Oh. Pas sans chapeau, no chapeau, no cup, un bout. Et je chante smile. And they, no, you're right, c'est vrai. Quitters never win. So I continued to sing in the metro pour construire une relation avec le public général, parce que je chante jazz et le jazz c'est pas populaire. So pour construire mon audience et développer une relation avec le public et construire mon audience et mon réputation, je continuais pour parler avec les personnes dans le métro, chanter avec les personnes dans le métro et demander avec respect, avec l'amitié, suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je te souhaite le meilleur. Thank you. Merci. Boom. You know, I have to faut que je fasse du sport. Mm. Because. Oh yeah. Le musculation. J'ai trop mal au bras. I'll hold it now. Do you want me to hold it? Okay, j'ai trop mal au bras. Oh, thank you. Thank you. You're four very sweet. That's forearms. It's not just. Yeah, my arms is very. I feel bad. I feel bad. No. So, quelle sorte de message tu veux encore dire pour motiver les gens, motiver et surtout, en fait, motiver c'est le moteur. C'est mais être déterminé et continuer malgré tout, malgré toutes les galères. Toi, t'as commencé à chanter juste parce que t'avais perdu ta carte bancaire. Une raison n'existe pas. To not reach your success. There's no reason. You know, people tell me, I'll just say my story, is that, oh, well, you know, no one will listen and nobody likes this. And nobody. But there's always, always someone who will listen. There's always a listening ear. So you have to just keep doing you, continue to study what it is that you're doing, you remain educated. Always know the history, know the story, and also just keep doing the work. You have to just keep doing the work. It can't be about being a star. It can't be about being rich and famous. It has to be about the work. And when you concentrate on kindness and hard work and croyance en vous-même, then you'll start to see things happen. But if your focus is on other things besides the work itself and being kind, then you forget it. Forget it. On va se quitter en chanson avant que ça se termine, puisque j'ai plus beaucoup de batterie. Quoi. Tradition, oh, plus je suis une quiche. Désolé. En anglais. En gros, il disait de persévérer, de continuer, de travailler, de croire en vous et surtout de ne jamais abandonner parce que vous n'êtes jamais à l'abri de rencontrer des bonnes personnes et entre autres des journalistes par exemple qui vont vous découvrir par hasard. On se quitte en chanson? Yeah. A song? Oh yeah, because I was going to just say travel you there avec beaucoup gentillesse. Okay. Yeah. Yeah. A song please to stop this show. Okay. I wish you bluebirds in the spring. To give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. En French, it's Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? So, thank you very much, Maureen. Je te souhaite l'amour, la paix et le soul. Voilà, partagez ces périscopes, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, il s'appelle Marvin Prince. Vous pouvez le voir sur YouTube, sur SoundCloud, sur Instagram.
sur Google, un petit peu partout. Et il a un show exceptionnel avec énormément d'artistes. Très prochainement, merci d'avoir participé. À très vite. Et puis n'oubliez pas que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour. Et vous êtes la personne la plus importante au monde. Alors prenez soin de vous. Salut. Alrighty, salut.